Bonjour, bonjour, c'est Stéphane, on se retrouve pour une vidéo avis film pour ce soir. C'est un film qui est sorti le 10 mai 2017. Il dure 1h31, un film action, un film de James Noone avec The Miz, Anne Van Hook et Sandy Robinson. Je vais vous parler du film, bien sûr, c'est The Marine 5, Battle Round. Qu'est-ce que je peux dire de ce cinquième volet de cette saga? En fait, c'est Jack, hein, qui a trouvé un nouveau travail. Il travaille plus à la marine et il est plus agent de sécurité. Maintenant, il travaille pour la CMU. Hein, CMU, c'est pour être soignant, tout ça. Et un jour, il a un appel, il a un appel d'une service pour appel de détresse, quoi. Voilà. Ils y vont et c'est il y a deux gars qui se font ils ont pris une balle, tout ça. Ils vont dans un hangar. Après, ils n'arrivent pas à trouver ce monsieur-là. Et c'est là, il y a un groupe de motards, quoi. Un groupe de motards cherche ces deux-là, parce que je vous dis pas le film, hein, c'est à vous de voir ce film-là. Qu'est-ce que je peux dire de ce film? Voilà, c'est un film quand même, un bon film, hein. J'aime bien beaucoup l'acteur The Miz, hein, le héros du film, hein, maintenant. J'aime bien beaucoup l'artiste qui jouait son coéquipier et les bikers qui m'ont bien plu aussi. Mais après, voilà, c'est pas un film exceptionnel, tout ça, c'est quand même un très bon film. Comme je dis, c'est un film américain. Voilà. Et puis, comme je dis, hein, c'est toujours les acteurs, les catcheurs, hein, quoi. Vous connaissez, hein, John Cena, tout ça, nanana. C'est la WWE qui font les films là, et voilà, c'est des films d'action, et voilà quoi. Et je peux dire encore ce film, comme je dis, hein, vous pouvez le trouver partout, hein, en DVD, en streaming, voilà, comme vous voulez quoi. Et puis c'est, comme je dis, c'est un film américain, il n'a pas eu de récompense. En plus, il est quand même récent, hein, c'est en 2017, hein, il y a presque déjà 5 ans le film. 5 ans le film, voilà, c'est un film à regarder, et voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu encore une fois. Moi je vous dis ciao et à la prochaine, et vive le cinéma!